Ninon, c'est votre deuxième titre consécutif de championne de France en salle. Qu'est-ce que ça fait ? Ben, je suis vraiment contente parce que voilà, c'est jamais gagné d'avance. À chaque fois, on remet le titre en jeu. Donc je suis satisfaite aujourd'hui d'avoir remporté ce titre. En plus, avec exactement le même concours que l'année dernière. Je suis passée 4,40 m, 4,50 m et 4,60 m au premier essai. Et j'échoue au record de France. Donc c'était un peu le même concours que l'année dernière. Trois premiers essais réussis et ensuite des tentatives contre le record de France. Est-ce que c'est votre meilleur concours de la saison ? Pour l'instant, oui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je me répète un peu, mais j'ai repris ma saison un petit peu tard puisque j'avais une petite gêne au tendon d'Achille. Donc les choses se mettent progressivement en place et puis au fur et à mesure des compétitions. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, c'était mon meilleur concours. C'est là où j'ai eu le plus de maîtrise, plus de confiance dans ce que je faisais. Et c'est très agréable de ressentir ça à l'approche des championnats d'Europe. Donc voilà, je suis vraiment contente de ça.